couvent de Sainte-Dudule, dans le cloître silencieux, un bruit, une rumeur circule qui des sœurs fait briller les yeux. On chuchote que le saint ermite qui vit retiré dans les bois possède la plus grosse bite qu'on ait jamais vue de par là. Rougissante, sœur Marguerite dit cet engin phénoménal. Il me l'a mis 20 fois de suite, sans débander, c'est pas banal. Cela n'est rien, dit sœur Ursule, mais quand il le fait avec moi, c'est 30 fois qu'il éjacule, il reste dur comme du bois. Chaque sœur compte les prouesses de ce terrible goupillon, jamais coupable de mollesse et toujours vaillant dans l'action. Aux aguets, la mère supérieure se sentit tout émoustillée. Elle donna l'ordre que sur l'heure le saint homme soit convié. Dès qu'elle voit le vieil écouille de l'ermite du fond des bois, la supérieure s'agenouille et la baisa 50 fois. Pitié, fit la mère, il faut clore, j'ai mal au cul, je n'en peux plus. Mais l'ermite bandait encore, pour lui ce n'était qu'un début. Encore un coup et puis un autre, l'abbesse compta 118, en implorant tous les apôtres que ce chiffre n'ait pas de suite. L'ermite était infatigable, à 200 il remettait ça. Alors le ciel fut charitable, la supérieure trépassa. Elle rendit l'âme en pleine extase, dans un orgasme exacerbé. Et l'ermite d'humeur grivoise entreprit de se masturber. Et l'ermite d'humeur grivoise entreprit de se masturber.